Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que c'est la première fois que je fais ça sur YouTube. C'est une vidéo haul. Alors, pour ceux du fond, un haul, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le récit de mes derniers achats. Le problème, c'est que évidemment j'ai retardé l'échéance et que j'ai à peu près 14 000 trucs à vous montrer qui remontent à peu près aux 3 derniers mois. Donc on a des fringues, on a des produits soins, on a du make-up et on a aussi quelques trucs pour la maison. Le thème du jour c'est les bons plans, les petits prix, voilà. Parce que évidemment je suis sur la paille, hein, on se dit tout. Et surtout au niveau des fringues, enfin, en fait j'ai dû changer toute ma garde-robe suite à ma perte de poids. Et évidemment bah, ça coûte un bras, donc j'ai essayé de trouver des bons plans et des bonnes affaires. Je vais vous expliquer tout ça. À chaque fois, je vais essayer de vous donner les prix, en tout cas ce que je me souviens. Et puis, essayer de vous montrer sa portée aussi, pour les trucs les plus intéressants en tout cas. C'est parti avec les fringues. Alors, on va commencer tout de suite par Primark, qui est une marque de fringues. Je crois qu'il y a des trucs pour la maison aussi, mais en tout cas, beaucoup de fringues. À petit prix, un peu genre H&M, mais encore moins cher je crois, qui n'existait pas en France il y a peu, et en tout cas moi j'ai été jusqu'à Madrid pour faire ces bonnes affaires que je vais vous montrer tout de suite. C'est surtout des basiques en fait, hein, faut pas vous attendre à trouver des trucs hyper beaux qui sortent de l'ordinaire. C'est voilà, par exemple mon premier achat c'est un jogging, voilà, donc bon bah évidemment je vais pas vous montrer sa portée, hein, mais c'est un jogging tout simple, même pas resserré en bas, pour traîner à la maison, voilà. J'ai envie de vous dire que ça coûte genre 3 euros là bas quoi, donc je me suis pas laissé prier et j'en ai ramené un. Dans le même genre, les pyjamas, en tout cas les shorts de pyjama sont hyper cool. J'ai acheté celui-ci, pareil, 3 euros et des brouettes, voilà, très sympa. Dans le même genre, j'ai acheté une brassière pour le sport, à 2 ou 3 euros également, voilà, qui est très petite, enfin très petite, très élastique en fait, donc du coup ça maintient vachement bien. Écoute, je la quitte plus, depuis que je l'ai, j'ai délaissé toutes mes autres brassières que j'avais, parce que vraiment, pour courir c'est l'idéal quoi, il n'y a rien qui dépasse quoi. Est-ce qu'on peut vraiment se dire ça? J'ai acheté ce bandeau, donc pour mettre avec mes bustiers ou mes tops à fines bretelles, sauf que en fait il est trop grand. C'est hyper détendu, je vous conseille pas du tout d'acheter ce genre de truc là-bas, ça maintient plus rien. Voilà, j'ai dû payer ça 3-4 euros aussi, hein, mais ça peut pas marcher à tous les coups. Ce que je vous conseille d'acheter aussi chez Primark, ce sont les chaussettes. Voilà, parce qu'ils font ça par lot, genre de 6 ou 7 chaussettes. Pour 5 euros, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas de raison de se priver, quoi. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de chaussettes? Je sais pas. En vraie fringue maintenant, j'ai acheté cette combi short que j'avais postée sur Instagram le mois dernier, que j'adore. Voilà, donc ces motifs un peu aztèques, noir et blanche. Écoutez, c'est un peu la révélation pour moi. Il y en avait plein, plein de modèles différents, simplement... pas tous la même coupe, et le problème c'est que j'ai un grand buste. Donc qui dit grand buste dit que tu peux pas mettre des trucs, des combinaisons sans que ça remonte trop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Je pouvais pas tout me permettre si je voulais pas déballer la salle de jeu à tout le monde. Écoutez, cette coupe là m'allait à peu près bien. En tout cas c'était suffisamment large pour que je me sente à l'aise. C'est une taille 40. J'ai dû payer ça 10 euros quoi. Ce short en jean, c'était mon premier short en jean, je crois que c'est une taille 42. Non, c'est une taille 40, d'accord, ceci explique cela. Parce que donc je l'ai adoré, j'ai adoré le porter tout le mois de juin, et début juillet je l'ai mis à Groix. Vous avez peut-être vu les vlogs qu'on a tournés, et quand moi j'ai vu les vlogs derrière, je me suis dit plus jamais je mets ce short là. C'est-à-dire que j'ai eu l'air d'un saucisson, vous savez, d'un rôti ficelé. Alors, je me suis vue comme ça, je me suis dit mais ce short plus jamais quoi, ou en tout cas pas avant d'avoir affiné un peu le bas, parce que voilà, c'est très subjectif, hein, évidemment, ne foncez pas sur les vidéos vlog, mon dieu, pour aller regarder mes cuisseaux, mais voilà, je pense que je ne suis pas sortie de l'auberge et que ce short là je l'aime beaucoup, hein, il est pas trop court, donc moi ça me va, mais je pense qu'il va falloir que je m'affine encore un petit peu pour être bien à l'aise dedans. Coûter 10 euros aussi, donc voilà, les fringues un peu plus sympas, faut compter 10 euros. Les petites merdes, c'est 2-3 euros. Franchement, il y a vraiment des très bonnes affaires à faire chez Primark. Alors, ensuite, j'ai fait un petit peu les soldes dans les magasins français.
Et j'ai d'abord acheté un maillot de bain, enfin deux en un quoi. J'ai acheté celui-ci chez H&M, un haut bustier avec la culotte de la même couleur. La culotte qui est resserrée sur les côtés, donc c'est vachement bien pour celles qui ont des formes généreuses en bas également. Le haut bustier, il tient trop bien. Voilà, donc c'est un peu la révélation, j'ai adoré le porter, vous l'avez peut-être vu dans les vlogs. Il tient bien, il fait une jolie poitrine, ça se détend pas. Voilà, j'adore ce maillot de bain, pour les prix je l'ai eu en solde chez H&M. Il me semble que le haut devait être à 8€ et le bas à 7€, quelque chose comme ça. Ça me faisait vraiment un ensemble pour entre 13 et 15€, donc au top. Et peu de temps auparavant j'avais acheté ce haut là, donc c'est également chez H&M. Donc c'est un haut qu'on peut mettre en bustier mais qu'on peut mettre aussi avec la lanière, je sais pas comment on appelle ça, le lacet quoi, autour du cou. Voilà, on fait un nœud derrière et la couleur me plaisait vachement, mais c'est vrai qu'en termes de maintien il est quand même moins serré que l'autre quoi. Puis même avec la culotte bleue de toute façon c'est quand même sympa, donc je l'ai gardé. Je l'ai eu chez H&M mais avant les soldes, donc, mais en même temps ça coûtait pas cher du tout, je sais plus. Voilà, vous m'aimez très fort ou pas? Toujours chez H&M, j'ai acheté ce short en solde qui est une révélation, genre le short trop agréable, le short à la base pour traîner chez soi mais en vacances c'est trop bien aussi. Voilà, un short fluide en fait, c'est une matière très légère comme on aime qui va camoufler ce qu'il y a à camoufler, mais en même temps vous êtes en short donc bon, faut pas trop en demander non plus. Je l'ai eu en solde à 5€ et c'est une taille S, oui parce que ça taille quand même assez grand, hein. Croyez pas que je mette du S. Je vous conseille de prendre une taille en dessous de ce que vous mettez d'habitude si vous n'avez pas envie d'avoir l'air d'un sac. Mais voilà, motif léopard ou guépard, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas une blogueuse mode du tout, hein, mais bon, motif comme ça, noir et blanc, vraiment hyper agréable, 5€ quoi, les enfants, 5€. Et toujours chez H&M, mais pas en solde, c'est dans la collection Diva Edit, je crois. Ouais. Donc du coup c'est pas une collection qui est soldée, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises. C'est cette robe bustier là, donc assez courte, que je vais vous montrer porter aussi, que j'ai payé 10€ en fait, c'est la collection qui est vraiment pas chère, un peu basique quoi. Et voilà, je cherchais une robe bustier pour les vacances, je ne l'ai pas quittée des vacances, elle est vachement bien, même si je trouve que la distance buste est trop importante. Alors souvent moi je la porte retroussée comme ça, c'est très élégant, mais écoutez, voilà. Sinon je trouve que j'ai les seins qui ont l'air de tomber trop bas. Est-ce que vous visualisez bien? Je pense que quand je vais vous mettre le look, vous allez peut-être comprendre ce dont je parle. Elle est suffisamment courte, elle est vachement bien. Pour les vacances toujours, c'était parfait. Et puis je suis aussi passée chez Undies pour une espèce de révélation. Amandine vous en a parlé dans son dernier haul, mais en fait je m'y suis mise aussi. J'ai acheté des sous-vêtements chers. Sans bretelles, ou enfin avec bretelles que tu peux enlever en tout cas. C'est pas le truc le plus sexy au monde, hein. C'est pas le genre de lingerie que j'aime porter, mais c'est quand même ultra pratique, et là je plussoie Amandine encore une fois, si vous n'en avez pas chez vous, foncez quoi, foncez acheter ça quelque part. En plus celui-là maintient très bien malgré le fait que ce soit Undies, et c'est vrai que les sous-vêtements chez Undies c'est pas non plus la top qualité. Voilà, pour les prix, je crois que pour l'ensemble c'était 25€. Alors le problème c'est que c'est des basiques et que c'est jamais soldé quoi. Donc voilà, j'ai eu deux strings avec, le tout pour 25€. J'ai envie de vous dire bisous. J'enchaîne avec les soldes chez Mango où j'ai fait l'achat de ma vie, hein, j'en ai parlé sur le vlog cette semaine. C'est-à-dire que j'ai acheté une veste en cuir. Vous comprenez bien dans quel état je me trouve. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de porter du cuir, sauf que je refusais d'investir dans une veste en cuir tant que j'avais pas atteint une taille qui me convenait quoi. Voilà, j'en ai jamais acheté, donc j'arrive à 26, bientôt 27 balais, et j'ai acheté ma première veste en cuir. Enfin, en simili-cuir en plus, c'est même pas non plus du vrai cuir. Mais pour moi c'est un grand pas, et j'espère que certaines d'entre vous me comprennent. Donc voilà, elle se présente comme ça, je l'ai achetée en marron foncé. Je trouvais que le noir c'était un peu trop strict et de toute façon j'ai déjà des vestes noires, je n'ai pas de veste marron, donc voilà, j'ai décidé de changer. Je l'ai prise la plus simple possible. Les seuls détails c'est les épaules matelassées, je sais pas si on dit ça comme ça, hein, mais je voulais absolument pas de clous, je sais pas quoi d'ailleurs, mais je voulais pas trop de fermeture, voilà, elle est juste coupée comme ça. De toute façon je vais vous la montrer portée, ce sera beaucoup plus simple que de me cacher derrière la veste.
Elle m'a coûté 30 euros au lieu de 50 ou 60, je ne sais plus. J'adore cette veste, alors après je suis pas du tout, je sais pas comment faire en fait. Hein. Là je la trouve trop stricte, je la trouve pas assez vieillie, enfin voilà. Donc on m'a conseillé de mettre des bouquins, des dictionnaires dessus pour la plier un peu, parce que c'est vrai que je sais pas trop comment porter le col, enfin en même temps c'est pas la saison, hein, donc y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez des conseils pour que je la vieillisse un peu moi-même, parce que là je la trouve trop bien, trop neuve. Voilà, donc je suis allée faire un tour chez Six, je pense que c'est une marque nationale, oui, et j'ai trouvé ce tube. Donc je voulais un foulard crème, enfin en tout cas clair, et puis finalement bon, je l'ai pris quand même avec des cœurs, parce que bah voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer là-dessus? J'aime moins l'effet tube parce que je sais pas du tout le mettre, mais je pense que je vais apprendre aussi, et voilà, ça m'a coûté 10 euros je crois. Mon plan après les soldes, c'est le fait que je fais souvent les magasins d'usine. Alors j'ai la chance d'habiter en métropole lilloise et qu'à Roubaix, voilà, à Roubaix il y a des magasins d'usine. Donc j'ai fait Promode et Camailleux, donc ce sont des anciennes collections. Évidemment vous n'allez pas retrouver ça sur les sites internet des marques, mais j'ai fait de très bonnes affaires. Donc déjà il faut savoir qu'en magasin d'usine les prix sont environ 30% moins chers que dans les magasins normaux. Ensuite c'était les soldes, et en plus il y a souvent genre 3 pour 2 ou des offres comme ça, donc vraiment j'ai eu tout pour rien quoi. Là je pense que je vais me souvenir des prix, vous allez halluciner quoi. Très souvent que je vais faire les magasins d'usine, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à racheter des fringues et pas finir listée à la Banque de France quoi, tu vois. Alors je commence tout de suite par cette veste en lin que j'ai achetée chez Camailleux, donc en crème, couleur crème. En fait je cherchais une veste claire et j'ai vu celle-ci en magasin. Je l'ai essayée, je vous avouerai que j'étais pas sûre de moi parce que je la trouvais pas très cintrée, vous allez le voir porter. J'avais pas de veste crème, j'avais pas de veste en lin, donc le combo est sympa, je vais l'apprivoiser petit à petit. Et surtout, bon bah elle était à 5 euros, donc en fait je l'ai prise quoi. Je me suis pas posé 50 000 questions. Et une autre découverte chez Camailleux, c'est ce short en jean, mais en jean couleur mint. C'est juste la folie quoi. Alors il est un peu plus court que le short Primark que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sera vraiment 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 pour les vacances. Mais voilà, on ose tout quoi, on ose tout, et j'ai trouvé la couleur tellement sympa, le prix tellement sympa, 5 euros encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez quoi, j'ai l'impression qu'il m'a appelé. Donc pour les tailles, pardon, j'ai oublié de vous dire que cette taille-là, c'est une taille 40, et que la veste, c'est une... Il n'y a pas la taille, voilà, c'est bon ça. Mais ça doit être très probablement du 40. Voilà, donc bah très bien, hein, on est content d'être passé chez Camailleux. On se retrouve après un léger souci de batterie. J'étais donc en train de parler de Promode, en magasin d'usine toujours. Donc j'ai acheté ce short en jean clair, avec des détails, donc un peu dentelle sur le devant, un peu arraché, voilà, comme ça se fait maintenant. Le derrière est comme ça, et au niveau de la coupe, elle est vraiment hyper flatteuse, c'est-à-dire que... Il y a peut-être 2 cm en plus, ou 1 cm, ça joue à pas grand chose que les autres shorts que je vous ai déjà montrés, mais ça change tellement tout. Vraiment, je suis hyper à l'aise dans ce short, et en plus il est un peu large, donc enfin voilà, ça moule pas trop, ce qu'il faut pas mouler. Et vraiment, j'adore ce short, je crois que vraiment je vais le porter très très souvent. Je l'ai que depuis une semaine, mais je l'ai déjà mis cette semaine 2 fois. Donc voilà, non, un gros coup de cœur pour ce short de chez Promode que j'ai eu pour 10 euros. En sachant qu'il y avait un troisième article offert. J'enchaîne toujours avec Promode. J'ai trouvé cette jupe là qui avait fait un tabac sur internet. Je crois que c'était l'année dernière, hein, puisque c'est des fringues de la saison d'avant. Donc voilà, je pense que c'était l'été dernier. Donc toujours motif pastel. Je crois que c'est un peu ma folie du moment. Avec des détails vert mint et corail. Écoutez, je la trouve magnifique et j'étais tellement heureuse de la trouver. C'est une taille 42, elle est un peu grande. Je vais vous montrer ça à la portée. Mais je l'ai prise quand même parce que vraiment je trouve que les couleurs sont
sont trop belles, avec un top corail ça va être magnifique, ou même vert d'ailleurs. Voilà, je pense que je vais passer beaucoup de temps à la mettre aussi pour le boulot, ça va être bien pratique cet été. Cette jupe a dû me coûter, pareil, cette jupe a dû me coûter 7-8 euros, comme le short. Le short était une taille 40 par contre. Je termine avec cette robe, qui était donc le troisième article offert, après l'achat des deux premiers. Donc en gros les trois ont dû me coûter 20 balles à tout casser. Donc c'est une robe de chez Promode toujours. C'est une coupe que vraiment j'adore porter en robe. Alors le derrière, il y a les petits détails des boutons avec une ouverture hyper sexy et un petit nœud qui ressort. Les couleurs, ce sont des couleurs que j'adore porter l'été. Enfin, cette robe a tout bon et c'est vrai que je manquais de robe un peu habillée. Donc voilà, je suis ravie de cet achat, surtout qu'il était gratuit. En termes de fringues, on a terminé. J'enchaîne tout de suite avec du maquillage. Je voulais vous montrer le gloss teinté de chez Je Mets, qui est de la gamme Les Superstés Deezer, dont j'ai parlé dans mes favoris qui ont été publiés lundi, donc les favoris du mois de juillet. Je ne vais pas en refaire un speech, mais en tout cas c'est le gloss rouge à lèvres, encre à lèvres, tout ce que vous voulez, que j'ai en ma possession et qui tient le plus longtemps possible. Et surtout qu'il ne transfère pas. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, vous retournez voir ma vidéo de lundi. Je l'ai eu dans la box Beauty Forever, accompagnée d'une palette Sleek. C'est la palette Au Naturel. Pour celles qui ne connaissent pas la box Beauty Forever, c'est la première box qui propose des produits maquillage et soins en full size. Donc voilà, c'était un peu la folie quand on a eu tout ça avec Amandine. On s'est réparti un petit peu tout ça et j'ai récupéré la palette Au Naturel que je vais essayer de vous montrer. Voilà, qui ressemble donc à ça. Ce sont que des neutres. Elle est magnifique. Sleek, c'est une marque que j'adore, qui est également à petit prix mais pas facile à trouver en France. De temps en temps, il y a quelques éditions qui sortent chez Sephora. Je trouve la qualité des produits exceptionnelle par rapport à leur prix, qui est très abordable. Donc voilà le genre de maquillage que j'adore. Je continue avec mes achats de Madrid. En fait, je m'étais acheté des choses de la marque NYX. C'est une autre marque, voilà, dans le même genre de Sleek que j'adore, mais difficile toujours à trouver en France, dans les magasins en tout cas. Parce que moi, pour le maquillage, en tout cas, j'aime bien avoir le produit sous les yeux plutôt que de commander sur internet. Encore une fois, ce sont des produits que j'ai mis dans mes favoris du mois de mai. Donc, je fais ça rapidement. Vous avez deux Butter Gloss. Un rose nude et puis un corail plus flashy. Un blush qui va plutôt tirer vers le fuchsia, le framboise. Enfin voilà, en petite touche très légère, évidemment, vous ne vous retrouvez pas avec une gueule de framboise, mais il est très sympa. Et voilà, ce sont encore des produits à petit prix que j'adore. J'avais également profité de promos sur le site Yves Rocher pour me procurer le mascara hyper connu de la marque. Alors il s'appelle mascara volume déployé, voilà c'est ça, que j'avais eu, donc je crois qu'il coûte 14 euros et je l'ai eu à 7. Un best-seller de la marque Yves Rocher que je n'ai pas encore testé, il est toujours dans son emballage parce qu'évidemment je n'ouvre pas 50 mascaras en même temps. Donc je vous en parlerai rapidement. Et puis j'ai fait une très petite commande chez Sephora pour profiter des 25% récemment. J'ai racheté le bain dissolvant que j'achète à chaque commande. Et surtout, j'avais besoin d'un top coat et d'une base durcissante. D'habitude, je tournais avec la Aerome extra forte, je ne sais plus quoi. Et en fait, j'avais envie de changer, tout simplement. Et donc voilà, donc j'ai pris le Start to Finish de OPI, qui fait les deux jobs. Donc à la fois base durcissante et top coat. Brillance, je crois. Et longue tenue. Donc voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je l'ai déjà utilisé deux fois, il est très bien. Au niveau des soins maintenant, alors j'avais été en parapharmacie. Il y a une parapharmacie à Lille qui est pas loin de la Grand Place pour ceux qui connaissent et qui est la parapharmacie la moins chère de la ville. Je pense que dans chaque ville vous connaissez à peu près là où les endroits où vous pouvez trouver les produits les plus intéressants. J'avais acheté des lingettes Clorane démaquillantes parce que voilà, je voulais un truc simple quand j'allais chez mon amoureux pour me démaquiller le soir. Je vais vous en parler, je l'ai bientôt fini, je vais vous en parler dans un prochain article sur le blog. Ce sera un article flop, donc voilà, ça en dit long, ça coûtait 5 balles. J'en reparle bientôt. J'avais également acheté le contour des yeux Créaline de Bioderma,
qui est un produit très bien. Je crois que ça devait coûter 10 balles. Et moi, en fait, j'ai juste besoin d'hydratation sur contour de l'œil. Sinon, j'ai les yeux. En fait, j'ai les yeux qui pleurent très facilement. C'est pas moi, hein, c'est le vent, voilà, ce genre de truc. Et du coup, j'ai facilement l'œil asséché. En tout cas, le contour de l'œil asséché. Et j'ai juste besoin d'un peu d'hydratation. Pas forcément d'un truc très riche pour combler les rides, tu vois, mais. Mais ça suffit, ça fait très bien son job et c'est très agréable, j'ai pas eu d'irritation, pas les yeux qui picotent, donc très bien. J'ai également acheté le sérum hydrance d'Aven. Bah là je suis un mouton, hein, quand j'ai vu que Aven sortait un sérum, c'est un sérum hydratant, hein, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté alors que j'ai déjà deux sérums en cours et que je suis pas prête de le commencer, mais en tout cas il est dans le placard. Et je termine les soins avec une commande que j'ai faite sur vente privée. Régulièrement, je vais voir sur vente privée, j'ai des alertes qui m'annoncent tiens, il y a ta marque préférée, machin, qui propose une vente privée demain, soit au taquet. Et en l'occurrence, là, c'était la marque Cattier. Alors ce jour-là, c'était Byzance, hein, avec Amandine et d'autres copines même, on a fait une commande groupée. Moi, j'ai pris à peu près tout ce qu'ils proposaient, je pense. Je vous fais ça rapidement, je vous mettrai les prix... comme je les retrouve en légende. Je commence donc avec la mousse nettoyante visage. J'ai encore absolument rien testé, hein, parce que j'ai plein de trucs en cours et que voilà, j'ai qu'un seul visage. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais évidemment, vous en entendrez parler dans des prochaines vidéos, des favoris, des pas favoris, enfin voilà, ce genre de trucs. J'ai aussi pris l'eau démaquillante pour les yeux sensibles. J'ai aussi pris un gel nettoyant purifiant et la lotion purifiante qui va avec. J'ai pris le masque purifiant de la même gamme et la crème de nuit, donc c'est le soin de nuit régénérant, toujours de chez Cattier. Vraiment, Cattier, c'est une vraie découverte pour nous. C'est une marque qui propose des produits hyper clean niveau compo, mais à chaque fois, il y a de vrais résultats, des produits très agréables à appliquer. Vraiment, voilà. Bon. Donc j'espère que tout ça finira dans les favoris. Et je termine avec quelques trucs pour la maison. Acheté au moment de l'anniversaire de ma soeur, en fait, je lui ai acheté du thé Kusmi et moi, évidemment, j'ai craqué pour moi à côté. Donc, c'est le thé vert à la menthe Nana. Je l'avais déjà senti à Nantes quand j'étais allée à Nantes au mois de mars parce qu'ils ont un magasin Kusmi directement et donc voilà, on était allé voir. Et c'est vrai que l'odeur est juste à tomber. Si vous aimez le thé à la menthe, ça m'avait rendu dingue. Ça m'avait rendu dingue. Et donc, quand je suis rentrée chez Monoprix et que j'ai vu qu'il était là en grand format, j'ai craqué. Et je suis hyper déçue, c'est-à-dire que quand vous mettez ça dans votre bol à thé et que le thé infuse, après ça n'a plus du tout la même force et la même odeur que quand vous respirez la boîte, que je n'arrive pas à ouvrir depuis tout à l'heure, je suis en train de lutter à mort, donc je ne vais pas pouvoir faire ça devant vous. Mais c'est quand même du bon thé à la menthe, mais j'étais un petit peu déçue. J'enchaîne avec une bougie Yankee Candle que j'avais également achetée en même temps que le cadeau de ma sœur. L'odeur, c'est Champaka Blossom. Alors, est-ce que celui-là, je vais réussir à l'ouvrir? Tout à fait. Alors, ça sent les fleurs. Je pense qu'Amandine est en train de se foutre de ma gueule. Parce qu'évidemment, on en a parlé en se disant, putain, je vais devoir parler d'une bougie. Comment je fais pour expliquer aux gens? Voilà, c'est toujours la mission. Écoutez les gars, ça sent la fleur. Et que, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. La fleur de Champaka. Je ne sais pas. Très sincèrement, ça sent très bon, mais encore une fois, je pense que la jarre est trop petite pour que ça infuse vraiment dans toute la pièce. Mais si t'as le nez dessus, ça sent très bon. Je suis un peu déçue, voilà, je pense que prochainement, j'investirai dans des vraies bougies, des vraies jarres, quoi. Des vrais trucs. Parce que là, ça ne fonctionne pas. Je termine avec des post-it que j'ai trouvé chez Emma, donc le fameux magasin flamand. Voilà, en fait, on a craqué pour cela, pour se laisser des mots d'amour le matin quand tu pars avant l'autre. Voilà, est-ce que vous trouvez que je suis suffisamment niaise pour terminer là-dessus? Je pense que oui. Je vous embrasse fort. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez envie de craquer sur des trucs que j'ai présentés, si vous avez déjà craqué sur des trucs que je vous ai présentés. Quels sont vos bons plans à vous pour faire des bonnes affaires voilà, quand on est sur la paille? Et puis je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse très très fort. Ciao.